Et coucou, bien le bonjour, nous sommes mercredi 7 juin et ben devinez quoi, il pleut, donc on a rangé le chapeau hein, bien évidemment, et puis aujourd'hui nous allons jusqu'à Saria, allez on se prend des photos. Ah bah oui, je suis mal tondeau, là. Voilà, on est plein de couleurs. Bonjour, bonjour. Et voilà, alors jusqu'à Saria. Alors aujourd'hui, on choisit le parcours le plus court, c'est-à-dire par Sangil, et non pas par Samos, parce que ben voilà, il va pleuvoir toute la journée, c'est comme ça. Mais bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je t'emmène quand même. Allez, on y va. Bisous. À la sortie de Tria Castella, il y a deux choix. Soit par la variante de Sangil, je ne sais pas comment on dit, ou par Samos. Alors Sangil, 12 km, mais c'est pas vrai parce qu'en fait il y en a 18. Et par Samos, là il marque 19 et en fait il y en a 25, je crois. Donc moi, vu qu'il pleut et que ça mouille, je vais prendre par enfin à droite quoi. Bon, on va pas trop sortir l'appareil aujourd'hui. Au fond bon, voilà un petit cours d'eau. C'est toujours joli avec ces fougères. Et tout à l'heure, je vous disais que le kilométrage était faux. Non, en fait, Sangil, c'est bien. Ou Sangil, enfin bon, bref. C'est bien 12 km. C'est Saria qui a 18 km. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Et oui, je sais pas comment je pourrais attraper un coup de soleil aujourd'hui. Ah, c'est joli quand même. Regardez cette végétation derrière. Seul inconvénient de la pluie, c'est que ça mouille. Mais sinon, c'est très agréable de marcher sous la pluie. Il y a juste mon téléphone qui n'apprécie pas. Donc je vais rentrer. À plus tard. Ah, regardez cette fontaine, comme elle est magnifique. Avec la coquille Saint-Jacques. Et la pluie. Et la coquille qui se reflète. J'arrive à Sangil. Alors, je comprends pas. Aux bornes d'en bas, il y a marqué 12 km, mais j'en ai fait que 3 ou 4. 12 km jusqu'à Saria, c'est pas possible. Donc, écoutez, je sais pas. Voilà. Mais enfin, pour arriver jusque là, il y a eu une sacrée montée. Et vous voyez, tous les pèlerins, des en noir, des en orange, des en rouge. Allez, 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 allez. Avouez que même sous la pluie, bien c'est joli. Alors hier soir, quand je suis arrivée à Tria Castella, j'avais une borne 139. 350 km. Là ce matin, bon, j'ai oublié d'allumer ma montre, mais bon, je dois avoir fait 4 ou 5 km. Donc je devrais avoir 134. Et là, j'ai 127. Alors dans les autres provinces, on perdait des kilomètres, mais en Galice, on en gagne. Allez, une petite vue.
super agréable, malgré la pluie, de marcher à cet endroit. Moi, je suis émerveillée par cette Galice. Je trouve que c'est vert, c'est beau, même sous la pluie. Dans un tout petit village qui s'appelle Montan, je crois. Et là, on tombe sur cet endroit. Il y a un peu de tout. Des arbres à coquilles Saint-Jacques, des tables. Toutes sortes de tables. Des écriteaux. Des petits bancs en palette. Encore un arbre à coquilles. Plein de petits endroits. C'est très baba cool. Et puis là, c'est en donativo. On peut jouer de la guitare, il y a des... Voilà. Et c'est un donativo. Voilà, on donne ce qu'on veut. Alors ce matin, on a eu des bonnes grimpettes, mais on a eu aussi de bonnes descentes. Là, on voit peut-être pas, mais ça descend bien. J'aime pas les descentes. Voilà l'animation de la journée. La sortie des meumeux. Allez, plus vite là, parce que ça va. Pour ah, ça va sortir par là peut-être. Ah, des deux côtés. Allez, viens, mémère. Mémère ? Et ben voilà. Et pas grand chose à vous montrer, hein. Ben voilà, on monte les vaches. Bon, celle-là, elle a pas envie. Oh, ben, elle cague en même temps, voilà. Du coup, les pèlerins sont stoppés. Ah, je fais bien la vache, hein. Ah, ma mère, qu'est-ce que t'en penses? Un petit veau. Comme il est trop mignon. Il me regarde avec amour. Parce que je le regarde avec amour. La pluie s'est arrêtée. Et regardez, on voit toute cette brume qui se lève. Ça a son charme aussi. Et toujours ces petits murets magnifiques. Et bien voilà, je suis sous les 120. Et bien coucou, je suis arrivée à Saria. Bon, la pluie s'est arrêtée depuis un petit moment. Ça n'a pas été une grosse pluie non plus, mais ça a été une très très jolie étape que j'ai bien aimée. Sous la pluie, bon, bah, ça a des couleurs différentes, ça a des senteurs différentes. Voilà, moi ça m'a bien plu. Je n'ai pas sorti le chapeau aujourd'hui, il est resté planqué. Voilà, j'ai pas mis ma montre de suite en route ce matin, donc je sais pas, ça doit être 17 à peu près, quelque chose comme ça, de kilomètres. Voilà, et puis je vais chercher mon hébergement pour ce soir, et puis je vais manger un petit peu parce que j'ai faim, et j'ai tout le temps faim. Et puis voilà, et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à demain, bisous. À demain. L'église
Santa Marina. Alors, le Da Escalera de la Fontaine, mais il n'y a plus de fontaine. Alors, c'est le cours d'eau qui passe à Saria, dont j'ignore le nom. Bah, je vous le mettrai bas.